Je m'appelle Martin Pavelka. Je suis ici dans les ateliers à titre de pédopsychiatre. Je travaille avec les enfants dans un hôpital public et je suis engagé dans le collectif des 39 qui fait partie des collectifs qui ont coopéré à la mise en place de cet atelier l'année dernière. Enfin, personnellement, je crois que ça correspond un peu à ce qui se passe aussi dans les motivations des gens du collectif des 39. C'est le souci que nous avons dans notre pratique quotidienne à l'hôpital public de voir notre champ de travail, notre milieu se dégrader petit à petit et d'être en proie à une sorte de mouvement très structuré et politiquement très puissant de transformation d'un esprit, d'un hôpital public, d'un service public à la population vers une entreprise qui a des soucis plutôt de management de la santé plutôt que du patient et de son destin. Et du coup, ça se traduit aussi dans notre travail et dans un esprit qui dénature le travail thérapeutique que j'ai appris à faire et que je pratiquais à partir de la fin des années 80 et surtout 90 depuis que je suis arrivé en France. Alors, tu fais allusion à Covid. Covid a beaucoup secoué notre hôpital, notre service. Mais les changements dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a commencé bien avant. Ça a commencé, moi je le vois depuis les années 2000-2010, et très clairement avec l'arrivée, notamment dans notre hôpital, d'une nouvelle direction. Des personnes qui sont formées très différemment que les personnes précédentes. On avait vraiment jusqu'en 2010 à notre disposition une administration qui faisait attention à ce qu'on fait, qui essayait de nous soutenir, qui nous posait aussi des obstacles quand les limites étaient là, notamment financiers, etc. Mais qui discutait, qui était en contact avec nous. Et avec la loi HPST, les choses ont changé et la direction, une fois partie, le précédent directeur, il connaissait le soin, il savait ce que c'est les enfants en difficulté, les familles. Il était d'origine éducateur spécialisé et puis il est devenu directeur, mais très soucieux des pratiques qu'on faisait. Et avec la direction managériale nouvelle, on a affaire à des gens qui non seulement ne connaissent rien à l'hôpital, ils peuvent venir, je ne sais pas, par exemple l'administration pénitentiaire ou d'une entreprise ou d'une une collectivité territoriale, mais qui ne savent rien à la santé et qui ne veulent rien savoir à la santé. Quand par exemple on organise un colloque, on a fait ça en 2019 sur notre pratique particulière en pédopsychiatrie, il y avait zéro administratif qui soit venu pour écouter, pour apprendre, pour se familiariser. Voilà. Et donc cette façon de gérer l'hôpital, c'est elle d'abord qui nous a mis en difficulté. Le Covid, quand il est arrivé, c'était en fait un choc supplémentaire parce qu'on a appris comme ça du jour au lendemain, alors qu'on a décidé de continuer à travailler à bas bruit, on a appris que l'ARS a décidé qu'il faut fermer toutes les structures, sauf certaines structures ambulatoires, et encore de façon très limitée. Notre hôpital de jour pour enfants a été obligé de fermer, les CATTP se sont arrêtés, etc. Tout ça au début pour des raisons qu'on partageait un peu, parce qu'on ne savait pas ce que cette pandémie ou cette épidémie à l'époque va apporter, mais très vite on s'est rendu compte qu'on a des moyens de continuer et surtout que les enfants qu'on lâche en fermant les structures, ils sont à la maison, ils souffrent, ils régressent et les parents sont débordés. Enfin, il n'était pas possible de continuer comme ça. Donc on a mis en place certaines réactions qui étaient, je ne sais pas si
la direction ou notre chefferie de service, ils vont entendre ce que je dis, de leur dire qu'on a continué à travailler dans les CMP qui étaient fermés, mais on continuait à travailler sans le dire. Donc voilà, la direction ou la chefferie était à la maison, donc ils ne savaient pas ce qu'on fait. Donc on continuait un peu à travailler, à recevoir les situations les plus difficiles. On était au début en cité à faire de la téléconsultation, ce qui est devenu, avec les patients qui étaient les miens, un désastre pour certains. D'autres n'avaient pas du tout la motivation de le faire. Donc on a recommencé à faire venir les gens au CMP, même si c'était interdit à l'époque. Et donc voilà, ça nous a amené à construire un peu une alternative, on peut dire, à ce qui était les décisions officielles de l'ARS. Et petit à petit, bon, on a vu qu'on a pu ouvrir, et même les structures officielles, la direction, etc., ont autorisé de réouverture des structures à la fin de la première vague. Et depuis, ça n'a pas fermé. Vous voyez, donc on a compris depuis que le danger n'était pas si grand. Mais on a pensé surtout virus. On a pensé surtout le danger pour les soignants, pour les patients aussi. Mais on n'a pas pensé le fond de notre travail, le danger du non-soin pour les patients et les familles qui sont les nôtres. Patients, c'est-à-dire les enfants. Alors c'est là où les choses vont se corser un tout petit peu, parce que moi j'ai des origines, ça s'entend peut-être, j'ai grandi et j'ai appris mon métier dans un pays stalinien, hein, la République tchèque, un système politique dans lequel la santé était publique. C'était le communisme, soi-disant, enfin c'était la voie vers le communisme. Tout appartenait à l'État. Y compris la santé. Donc tout était commun. Et donc j'ai vu comment ce système-là, on l'a vu tous, vous l'avez vu aussi de ce côté de rideau de fer, comment il périclitait petit à petit. Hein. C'était pas possible de fonctionner de la manière dont c'était organisé. Mais c'était pas un communisme enthousiaste ou une vision de commun telle que... On y pense, on en parle ici. Et en arrivant en France, j'avais des raisons pour quitter ce régime avant qu'il s'écroule. Et je me suis donc retrouvé dans un milieu où j'ai découvert l'existence d'un hôpital public assez fort, assez présent, assez bien organisé, d'un niveau excellent, je trouvais, et parallèle à un système de santé privée qui cohabitait, de manière que je trouvais assez, assez complémentaire. Et je me suis beaucoup plu dans ce genre d'organisation sociétale, où il y a non seulement la partie comme ça de partage, de solidarité, de redistribution, comme on appelle ça, enfin en tout cas mise à disposition de ceux qui sont moins riches des moyens de santé qui sont à la hauteur, et de l'autre côté des personnes qui aussi pouvaient bénéficier dans un milieu plus privatisé, plus privé, que ce soit dans les cliniques psychiatriques ou dans les systèmes de consultation en ville, etc. Et je trouvais au début ça très bien, beaucoup mieux que le système que j'ai connu avant. Et avec le temps, je commençais à observer justement ce mouvement qui commençait déjà rapidement à dévitaliser la dimension, la partie publique de la santé. Au début très timidement, mais petit à petit, jusqu'à ce que je vous ai parlé dans la psychiatrie avec la loi HPST, etc. Et c'est là où j'ai eu une position un peu particulière. Je suis très désireux, on peut dire, de maintenir cette complémentarité. Et j'ai une vision, on peut dire, un peu philosophique de cette question, parce que je trouve que ça correspond un peu à ce qu'est l'humain. On a en nous une partie un peu égoïste, qui se manifeste notamment quand on est en difficulté, on veut tout le mieux pour soi, pour survivre, pour ne pas mourir, hein, quand on est à l'hôpital, donc on veut avoir le meilleur, mais on n'a pas des moyens pour ça. Et je trouve que quand un système public le permet, c'est une bonne chose. Et puis de l'autre côté, on a aussi envie de générosité, une envie de partage à d'autres moments, quand on va bien,
quand on est plus en forme, on peut dire. Et du coup, on peut contribuer à donner des moyens à l'hôpital public pour qu'il s'occupe de ceux qui sont en détresse. Finalement, je suis relativement pessimiste. Et j'ai l'impression que ce qui est important aujourd'hui, c'est, et j'espère qu'on va réussir à le faire, d'arrêter cette machine de destruction de l'hôpital public. Et je ne sais pas si on va y arriver, mais je ferai tout pour ça. Il y a des gens qui essayent, dans le service public, de pratiquer et de défendre des valeurs que je partage avec eux et qui se font sacrément taper sur les doigts, voire qui se font maltraiter. Et du coup, il y a crainte que j'ai que la répression qu'on est en train de subir ceux qui donc s'engagent comme ça, nous, dans notre service, ça s'est passé aussi à une échelle un peu moindre, que j'aimerais bien qu'on puisse survivre déjà face à ça. Et puis ensuite, je pense que c'est surtout les changements politiques qui dépassent un peu ce que nous pouvons faire et qui nous permettront d'aller plus loin ou non, voyez. Mais en tout cas, pour moi, c'est personnellement, parce que c'était ta première question, personnellement, c'est vital que de m'engager et d'essayer de contribuer à ces directions que je viens de te dire un peu, pour survivre, même moi, je dirais, pour survivre dans ma capacité de soigner, dans ma capacité d'animer les équipes dont je m'occupe, dans ma capacité de contribuer au fonctionnement de l'hôpital avant qu'il s'écroule, pour qu'il ne s'écroule pas, dans les instances décisionnelles, etc. Et donc, je dois absolument parallèlement participer à des activités comme, par exemple, celle des collectifs de 39, d'ateliers de refondation de l'hôpital public, printemps de la psychiatrie et bien d'autres activités, à côté de celles qui sont propres à mon métier, comme par exemple de faire partie de conseil d'administration d'une association de pédopsychiatres français qui s'appelle l'API, et puis d'autres associations scientifiques, mais ça c'est un peu plus classique. Il y a beaucoup de pédopsychiatres comme ça. Mais s'engager politiquement, on n'est pas si nombreux. Voilà. Thank you.